Voici un hareng fumé, le fameux makwala, un poisson fumé très prisé au Congo. Sa production est intrinsèquement liée à l'utilisation du bois, en d'autres termes, à l'exploitation de la forêt. La production de ce poisson a déjà ruiné la mangrove au large de Pointe-Noire, la capitale économique. Il faut désormais prélever du bois dans les forêts environnantes, dans le Mayombe ou le Kwilu. Par un hectare, je peux avoir peut-être à 700 bois, peut-être 1000, ça peut descendre sur 250 ou par 500, 700. Mais plus sûr, en un mois, je peux faire 3000 mètres sur 100. Jusqu'à présent, l'on ne sait pas avec exactitude la quantité de bois prélevé pour fumer le poisson, mais une étude de la Banque mondiale datant de 2009 révèle qu'au Congo, 500 000 mètres cubes de bois sont prélevés chaque année et la moitié, c'est-à-dire 250 000 mètres cubes de bois, est utilisée dans la production du charbon, du bois de chauffe ou alors pour fumer du poisson. Mais le business ici, c'est seulement du charbon, de la pêche, du bois de chauffe. Au village et de ville, c'est pas compliqué, c'est pas la même façon. Ville, c'est moins un peu léger, mais village, c'est dur. Parce qu'au village, il faut travailler dur pour trouver l'argent. Il faut couper les bois, tu montes le four, après tu trouves l'argent. La demande est telle qu'il faut de plus en plus de bois pour alimenter un marché de plus en plus demandeur en charbon, en bois de chauffe ou alors en bois pour fumer du poisson. Je préfère, c'est mieux acheter provisoirement parce que provisoirement, comme tu achètes, il y a une durée de 3 ans. Le temps que tu vas exploiter vos bois qui se trouvent dans la forêt, ça pourrait aussi vous permettre en moins d'un mois d'aller encore réacheter une deuxième brousse pour pouvoir tourner. Toujours est-il qu'il y a un lien étroit entre quantité de poissons à fumer et consommation de bois. Si vous êtes 20 caisses, 20 caisses, faut décider. Pour 20 caisses de poissons, on utilise le contenu en bois de 2 tricycles quand c'est bien chargé. On commence le fumage de poisson le matin pour finir vers 17h et 18h. Le temps d'étaler, de retourner les poissons sur les fours, c'est un travail difficile. Tout est fonction de la quantité et de la grosseur du poisson. Quand il s'agit de gros poissons, ça consomme assez de bois. Mais quand ce sont des petits poissons, ça consomme moins de bois. Les représentants de la société civile avertissent sur les dangers d'une exploitation imprudente de la forêt. Au niveau de la pêche, il y a des jours où il y a beaucoup de poissons qui sortent. Mais parfois, quand ils évacuent pas tous ces poissons-là, automatiquement, il faut fumer ces poissons-là. S'il y a beaucoup de poissons à fumer, on doit utiliser beaucoup de bois. Et si on utilise beaucoup de bois, donc on a coupé beaucoup de bois dans les forêts. Et si on a coupé beaucoup de bois, ça devient un danger pour l'humanité. Parce que vous le savez que moi, aujourd'hui, la forêt joue un rôle très important pour notre survie. Parce que la forêt essaie d'emmagasiner les gaz carboniques pour émettre l'oxygène. Donc vous comprenez que les enjeux sont vraiment de nos jours très importants. Avec les changements climatiques, on a intérêt. Parce que aujourd'hui, avec la COP qui s'est passée, on nous demande encore de réduire de plus en plus. Mais nous qui avons encore la forêt, nous devons éveiller nos consciences pour qu'on essaie de sensibiliser, continuer à sensibiliser que, attention, il n'est pas exclu qu'on n'utilise pas peut-être du bois, mais d'une manière un peu excessive, non. Parce que si on le fait d'une manière excessive, il y aura des conséquences énormes. Des solutions isolées existent, comme la création des fours à fumer du poisson, des fours artisanaux fabriqués localement ou alors des fours importés. L'équipement que vous voyez, c'est un fumoir moderne à injection de fumée d'arôme, dont le combustible principal est le gaz,
mais qu'on peut varier les arômes. On peut fumer avec n'importe quel arôme, le citron, le gingembre, le bois de choc, pour pouvoir donner au produit fini la senteur que nous souhaitons. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire un essai avec vous, d'ailleurs, du fumage du poisson silure avec le bois de chauffe en fait. On veut donner au poisson la senteur ou l'arôme de bois de chauffe, ce qui est une arôme déjà traditionnelle, connue par et qui rentre dans l'habitude culinaire des Congolais. On peut faire entrer plus de 300 kilos de produits dans ce fumoir. Donc ça peut fumer autour de 300 kilos de poisson par heure. C'est le temps de fumaison qui est beaucoup plus court. Ici, en une heure, on peut déjà avoir des produits fumés et séchés. Par contre, avec les techniques de fumage traditionnelles, vous savez, ça prend des jours. Les autorités n'ont pas encore mené d'études sérieuses pour évaluer l'impact de l'exploitation du bois pour fumer du poisson. Néanmoins, beaucoup des chercheurs sont formels et ils mettent en garde en disant que l'exploitation informelle de la forêt a plus d'impact sur la dégradation de l'environnement.